Eh bien, salut tout le monde, c'est Demon Slash. On se retrouve aujourd'hui tout simplement pour un nouvel épisode sur UEBS. J'ai ajouté du coup des nouveaux modes, quasiment tous pour ma part, pour ceux qui sont sortis en tout cas. Il y en a encore quelques-uns que je n'ai pas encore mis, que je mettrai par la suite. Certains m'ont pas intéressé, que peut-être qu'ils sont compatibles, mais ils m'ont pas intéressé. D'autres n'étaient pas compatibles, donc je sais plus trop lesquels, je saurais vous dire. Donc là, j'ai préparé deux, donc ça va être deux combats, hein. Clairement, ça va être deux combats parce que. 3, on va dire que c'est un peu inégal, on va dire ça comme ça, parce que s'il y en a qui sont trop forts et tout, voilà, on va essayer de faire à peu près équilibré. Donc du coup, par rapport à la dernière fois, les mushrooms que j'ai ajouté, je sais pas trop ce que c'est en fait. J'ai fait un test aussi hein, de mon côté, Léo, alors Léo je pense peut-être, on va tester, je pense que ça va être peut-être un lion peut-être, je ne sais pas, en tout cas j'aime bien ces modes, franchement c'est bien qu'ils ont rajouté ça comme j'ai déjà dit, j'arrête pas de le répéter depuis qu'on a ces modes, mais clairement c'est bien, franchement ça donne vraiment du peps au jeu je trouve. Même je trouve ça bizarre que les gens mettent variable avant, alors qu'avant elle était plutôt positive je crois. Donc c'est un peu bizarre. Moi je trouve que c'est vachement cool. Après peut-être que c'est vrai que il y a des trucs qui sont quand même bien cheatés. Hein, mais, on peut pas les modifier, j'ai regardé dans le modificateur si on pouvait les modifier, on peut pas modifier ces troupes là. Vu que c'est déjà des troupes modifiées, donc voilà. Donc clairement, qu'est-ce qu'on a de beau? Qu'est-ce que c'est que ça? What the fuck? Ok, donc c'est des champignons qui ont un visage, qui ont un nez, qui ont une bouche et qui ont une arme, un couteau. Ok, c'est quoi ça? Ah oui, d'accord, ok, donc les Léo, c'est. Je sais plus comment ça s'appelle en même temps, c'est ninja. Waouh, c'est si son fort. Waouh, c'est dehors. Et comme on peut entendre le bruit, c'est le bruit des tortues, je crois. Il me semble, un truc comme ça. Ça doit être un truc comme ça. Ils ont dû modifier avec les tortues, je pense. Parce que c'est un animal qui existe déjà, ça. Enfin, le bruit, en tout cas. Eux, je sais pas trop c'est quoi, par contre. Eux, ça ressemble à un nouveau bruit. Genre, ça fait un peu bizarre. Alors, bref, ils ont gagné. Ils ont victimisé les tortues, là, ou je ne sais quoi. Voilà. Du coup. Ils ont victimisé les champignons. Champignonnes. Du coup, on va passer au start game. Je dis n'importe quoi quand même. Le avatar, je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est l'avatar du néant dans Zelda? Je ne sais pas du tout. Belfmon, je sais. J'ai testé de mon côté, mais je n'ai pas testé en vidéo. Je sais plus ce que c'est. Parce que les noms sont un peu what the fuck aussi. Hein. Faut lire en anglais. Il y a des trucs que je comprends pas. Ça. Belfmon, je sais pas ce que c'est du tout. Il y a des trucs, c'est même. Ouais, je sais pas. Vu que c'est pas pareil en fait, quand vous avez le mode qui est affiché, vous avez par exemple, admettons, je veux dire Kiryu Mecha Godzilla, celui-là qu'on avait fait un test à un moment, en fait ils vont juste marquer Kiryu, voilà, tout simplement. En vrai, c'est les Godzilla mécaniques. Je sais pas, c'est quoi ça d'ailleurs? What the fuck? Donc ça serait. Ah non, donc j'ai pas testé en fait ça, les Belfmon et les avatars. Ah, les avatars, d'accord, ok, c'est ça, ok, je vois le truc. C'est dans le son de Saint-Nu Avatar, là, ou je sais pas quoi. Ah, les Belfmon. Stylé, ça. Des chaînes ou quoi, là? Oui, des chaînes, c'est bizarre. Je sais pas si c'est fort, on va voir. C'est un gros combat. Qui... Ah, d'accord, j'entendais pas trop à ça, en fait. Ok, ils avancent pas, hein. Clairement, là. Waouh, c'est le bordel là-dedans. Regardez-moi, ils se font un peu touchés. Et ils arrivent pas à les atteindre, clairement. Je peux voir que là, ils essaient de contourner un petit peu, mais ils arrivent pas. Ah, ils en ont chopé une là, et ils la tapent. Elle fait combien de dégâts? De vie. Excusez-moi, voilà. Ah non, mais non, regardez-moi ce nombre de vies, c'est pas possible. Non, faut arrêter là, je crois qu'on va mettre une éclair. Oh non, mais regardez-moi ce nombre de vies, bordel de merde. Il a 2 milliards de vies, je crois, le truc. What the fuck? En plus, je crois qu'elle a invincible en vrai. Ah non. Non, ça va. La nuque, elle fait seulement 10 000, je crois. Attendez. Ah merde, bah on a gagné. Ok. Super. Wow. Est-ce qu'elles sont mortes? Non, c'est toute vivante en fait, mais c'est bizarre. Pourquoi ils sont comme ça? What the fuck? C'est bizarre. Il n'y en a que 7 qui sont mortes en fait. Ah non, elles ont fait 7 kills, excusez-moi. Moi, j'ai fait tout la TNT. Enfin,
Ah, mec. Ce serait bien qu'ils foutent un peu des autres trucs plus tard, voilà, nucléaire, d'accord, mais genre des tornades, des trucs qu'on pourrait mettre dans le jeu, ce serait marrant, des choses comme ça. Même qu'ils ajouteraient en mode, hein, carrément, parce que j'ai vu qu'il y avait des musiques qu'ils ont ajoutées en mode, je les mets pas parce que j'ai peur des droits d'auteur, mais parce qu'il y a des musiques de Star Wars, un peu, il y a plein de trucs en fait. C'est assez sympathique. Les Mickey, j'ai testé, c'est pas Mickey en fait, hein, c'est un autre truc. Ils sont fait d'ailleurs défoncer quand je les avais mis. Géant Spider, bah tiens, j'ai jamais testé ça, on va voir ce que ça vaut. C'est des géantes araignées, donc on va voir ce que ça vaut clairement. Je sais pas ce que ça vaut, mais je sais que c'est grand. Ah, comme géant quoi. Mais ça peut être intéressant clairement à voir. Hop. Bon, ce qui est bien, c'est que les chargements soient assez rapides en vrai, hein, quand même. À part les chargements de troupes qui sont un peu plus longs que la normale, mais bon, après. Voilà, ça va. Ah, d'accord, ok. Les Mickey, c'est les Michelangelo. D'accord, oui, je me rappelais plus que c'était ça. Et comme on peut voir, regardez, de loin, c'est pas modélisé. Quand on va plus près, ça ajoute à la couleur. Bon, ça dépend pour lesquels. Eux, les araignées, voilà, c'est des géantes araignées. Ils sont ouais, bien modélisés, je trouve, quand même, hein, tout compte fait. Ouais, ça va, ils sont quand même bien modélisés, hein, quand même. Qu'est-ce qu'elles font? Dommage qu'elles bougent pas leurs pattes, mais bon, après, faut pas tout abuser. Qu'est-ce qu'elles font, les araignées? Ah, d'accord, non, elles font des dégâts parce que je vois que les. Elles sont en train de. Waouh, 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 wow, y a beaucoup d'araignées là. Je crois qu'ils sont un peu en train de se faire. Je sais pas comment elles attaquent par contre. Parce qu'on voit qu'il y a rien qui bouge en fait. C'est un truc qui était un peu mal fait, on va dire, la modélisation. Ils ont juste en fait pris un personnage, je sais pas lequel d'ailleurs, et qu'ils ont modélisé derrière les troupes quoi. Une nouvelle troupe. Mais bon, c'est sympathique quand même à voir. C'est un bon concept. Ok, bon là ils sont un peu défoncés. Hein. Elles font quand même des bruits, hein. Ah ouais, elles font des petits bruits, hein, sympathique. Et je crois qu'il n'y en a aucune qui est morte. Si, il y en a qui sont mortes. Ouais, il y en a quand même pas mal qui sont mortes, hein, 82 quand même, hein. C'est pas mal, pas mal. Donc ça fait quand même du dégât. Bon, après, les Michelangelo sont un peu fait défoncer. Donc on va juste regarder à combien de temps on est déjà à 7 minutes. On va se faire encore des batailles. Alors, hop, c'est toujours un peu chiant ça. Du coup, les Gomons, on avait déjà vu. Devimon. Gulmon. Gulmon et Devimon, on va mettre. Je sais pas ce que c'est, Devimon. Denis, je sais pas si tu voulais déjà montrer, il me semble que oui. Ouais, j'arrive. Oui, j'arrive. Donc, dernière bataille. Et après, on va arrêter là pour cette vidéo. Ce sera déjà pas mal. Puis, du coup, j'en ai encore plein déjà des modes que j'ai ajoutés. Vous verrez, ce sera sympathique. Il y aura vraiment beaucoup de batailles avec les nouveaux modes. Et après, par la suite, quand on aura tout fait. On se battra contre d'autres unités de l'ancien truc, enfin du jeu de base. Donc voilà. Donc là, on va voir juste c'est quoi. Alors, d'accord. Ah, ok. Les Devimon, donc c'est des démons, peut-être, je sais pas quoi. Et eux, c'est quoi? Des Gilmon. Non, c'était. Je sais pas c'est lesquels en fait. On dirait un peu des Digimon en fait, c'est bizarre. Les noms. Peut-être que ça fait partie de ça, j'en sais pas. Je connais pas très bien Digimon, j'ai regardé un temps, mais. Qui va gagner. Donc déjà les démons se font plaisir là, ils niquent un peu tout le monde. Ouais, ils se font littéralement éclater en fait, c'est une razzia là. Bon, allez, un coup nucléaire. Bon, bah, il y a personne, tout le monde est mort. Déjà, ils avaient pas tellement de vie que ça. Nuke, ça fait quand même 10 000 de dégâts, je crois. Donc, ils avaient moins de 10 000. Et bah, écoutez, c'était quand même sympathique. On a vu que c'était quand même des démons qu'ils ont gagné. J'espère que ça vous aura plu cet épisode. On se retrouve pour un autre épisode la prochaine fois. Je vous dis salut à tous et à la prochaine.